C'est en victoire. En victoire est en victoire. Même que bon, c'est nous avons fait mieux, nous avons fait plus de goals, nous avons joué plus bien. Mais en victoire était victoire. C'était pour ça que nous sommes là, pour nous préparer. C'était des matchs de préparation pour nous être capables de voir qui ça manquait, qui point faible nous, qui point fort nous. Et c'est ça. Bon, c'est nous apprendre. Nous voyons qui ça peut faire nous et nous pouvons travailler pour nous capables plus bien dans ce capteur. Donc vous êtes satisfait de stage qui fait en Turquie? Oui, c'était bien, nous étions bien, nous bien installés, nous tout barres. Nous avons fait tout barres pour nous mettre nous bien. Nous étions bien, nous avons fait des matchs de préparation contre Nigeria. Nous avons fait une bonne prestation, bien que nous n'avons pas gagné, mais ça prouvait que nous avons fait un travail, c'était pour ça que nous sommes là. Nous faisons une bonne prestation face à Nigeria qui est une très bonne équipe, très physique, très technique. C'est qui fait que nous avons qui ça nous manquait, dans qui ça nous faible pour nous travailler. C'est ça, c'était des matchs de préparation. Non, donc demain c'est le retour, nous allons dans différentes activités. Non? Et nous et joueurs haïtiens en feu ces derniers temps, donc même dans le club, c'est motivation Coupe du Monde là qui fait ça? C'est motivation Coupe du Monde là. C'est pour ça que nous venons là, nous venons travailler, nous venons jouer match pour nous capables prêts pour ça que pas le temps nous. Nous le stage là fini là, nous jouons des matchs nous. Nous ouais ça bon, nous avons nous pouvons travailler ça pas de bon et nous pouvons continuer de travailler tout. Personnellement, dans le club, nous et pour nous capables prêts pour la Coupe du Monde. Ce que vous avez reproché tout dans l'ensemble de matchs, qui est le tapis? Que. Pas gagné? Après, je suis vraiment satisfait. Beaucoup vraiment satisfait des performances. Moi, continuer de travailler. Moi, continuer de travailler plus et plus dur. Nous allons porter plus toujours pour l'équipe là parce que, à vrai dire, moi-même, beaucoup satisfait du travail. Moi, c'est vrai, me faire des barres, me faire des efforts, même penser que je vais porter plus toujours pour l'équipe là. Donc, vous remplissez l'exigence, vous faites tout? Oui, je remplis l'exigence. Surtout par rapport à ça que le temps nous là, par rapport à l'équipe nous pour jouer là, je connais que ça va demander nous en pile, en pile, en pile. Et ça fait que moi, très exigeant avec tête moi. Pour que je sois capable de pousser plus haut, pour que je sois capable de faire une bonne prestation dans la Coupe du Monde. Mathieu Balou, c'est le meilleur but de sélection nationale là, en activité. Merci et pour l'interview. Bon voyage, bon retour dans le club. Merci. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure, je regarde les vidéos. Jean-Pierre, je connais. Je ne suis pas Whitney Mathurin et je suis la terre à gauche pour la sélection haïtienne. Non. Nini? Nini, son nom Nini. Vous remettez nous jouer de ça, oui? Oui, et pas moi. C'est ça. Et faut-il parler de l'activité que vous faites, qu'on y a là, vous faites sport et études. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Qui j'en sport à aider études ou l'inverse aussi? Pour commencer, c'est un travail qui est très difficile parce que lever le matin 5-6 heures pour m'entraîner et puis aller à l'école environ 8h30, 9h. Et j'aime dire que ce n'est pas un travail qui est facile, même parce que. Mental là obligé à top pour nous entamer tous deux parce que dans la vie en soi même malgré ma vie football et après football et même pendant football là faut qu'on bagaille nos cafés on bagaille pour nous mettre dans tête là quand même c'est comme Samuel et je pense que c'est très important pour me gagner en vie en dehors football là. C'est ça une période où tu es absente dans rassemblement sélection hein? Et tout pour demander pour vous sur les réseaux sociaux faut que ni là faut que ni là. Qui ça que t'es cause absence ça, ça que t'as réglé? Bon côté pam personnellement, nous travaillons sur tête pam avec un pile problème administratif surtout avec l'école là qui veut déterminer documents mieux et puis nous prenons le temps de travailler sur moi j'aime dire mentalement et physiquement et bon c'est si temps ça a été bon pour moi tout pour moi un pile l'amour haïtien pour moi et moi merci nous pour ça merci pour l'amour nous chaque jour. Nous ne pouvons pas supporter l'équipe nationale. Mondial 2018 avec U20 au présent. Et là encore, 5 ans après, on a un mondial senior. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour vous dans la vie ou comme sportive? Je sens que c'est une grande opportunité, une fierté. Je dis que c'est une chance parce que c'est un travail quand même. Mais parmi toutes les haïtiennes qui ont vu le football,
et me senti moins béni et me content chaque échéance avec sélection, chaque seconde, chaque minute avec mesdames, que ce soit me soutenir de terrain, c'est un plaisir pour moi, pour moi avec eux, pour me faire fierté, tout peuple haïtien, j'en suis capable. Plaisir ça nous kaweli, mini, dans les gens ou comporter, les gens ont dansé, les gens ont souri. Fanatique ont toujours réclamé, banou nini, banou le sourire de nini. Côté ça sorti? C'est un bagage qui est naturel en fait, mais bon côté pas me garder. Bagay pa jan pasil et souri m prend pour l'espoir et m'pense dans chaque équipe que peu importe rôle ou ap jouer a et l'ont porter la joie l'ont partager bonheur avec frère ou sœur li important et comme si ou aider ou tirer stress ou montrer ou like que ce soit ça passe que ce soit sur terrain dehors terrain temps de jeu et tout la vie continue retravailler focus et puis souri tout au long de la vie c'est ça qui est important. Et je pense que c'est ça tout chaque jour qui fait comme si, mais c'est qu'un besoin. Qui veut-vous avec Haïti, sélection nationale là? Et moi, la sélection, c'est toujours appelé, of course, toujours dans le groupe là, et toujours qu'un besoin moral là pour aider l'équipe à avancer avec moments difficiles, moments qui facilitent tout pour nous profiter de yo et pour nous aller plus loin parce que chaque échéance, nous apprenons de yo. Et l'objectif, c'est apprendre et puis pour avancer, pour faire plus, pour faire plus bien. Ça, c'est Haïti et football en général. Football en général, bon côté PAM, c'est toujours travail. Parce que goal là, c'est jeu professionnel. Et je pense que pour un jeu professionnel, c'est qu'il y a une discipline, qu'il y a un travail moins. Et puis, focus, mes têtes là. Parce qu'il y a toujours une difficulté, j'en ai toujours connu. Mais avec tête, avec bon sens et puis prière, tout le monde est possible. Tout pour me prononcer Whitney Mathurin. Et. Qui est-ce que tu as à Haïti? Faut-il parler de famille? En fait, je ne sais pas vraiment comment tu as sorti. Si on va faire un film, on a toujours demandé. Pas blague. Ouais, parce que je fais des bisous en 53. Et là, je fais. Avant, papa m'a mouru même. Et la femme m'a arrêté. Mais avec l'amour, papa m'a pris. Nous obligés à arrêter de manger. Il y a un côté qui sourit les organes. Et ça vient de faire un jouer Grissier dans Respire Haïti. Depuis un jeune âge, ça vient de faire un peu le monde qui connaît sorti Grissier. Mais là, je me suis dit que je suis un peu de temps, je me suis dit que je suis un peu de temps. Tout côté, je me suis dit. Au final, je suis à Haïti. Je suis à Haïti. Et je suis Benjamin, une famille de 4 enfants orphelines. Et ya. Deux pères et deux mères? Non, deux mères. Deux pères. Deux pères. En tout cas, Nini, merci pour l'interview. Bonne chance pour la carrière. Tu as étudié qui ça déjà? Je suis étudié marketing. On est en quelle année? Deuxième année et demie. Ok. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir pour me toujours faire cette interview ça avec nous. Donc, tout le monde connaît, moi c'est Chendeski Joseph Marcellus, mais nous tous les Mkiki et moi je suis dans l'équipe Petersburg, club russe. Aujourd'hui, en Turquie avec la sélection nationale là, avec quel sentiment vous avez groupe là aujourd'hui? Bon, c'est un sentiment de. Nous avons une grande attente, nous avons pour nous retenir la sélection. Et moi, je suis très content que le coach a fait appel avec moi encore. Ça fait vraiment plaisir et moi, vraiment content de rejoindre Timonio. Je suis content de rejoindre tout le monde et c'est vraiment un plaisir pour moi. Vous êtes dans le camp Portugal en novembre? Oui. C'est ça. Mais et pour la qualification qui était faite dans la Nouvelle-Zélande, qui côté vous êtes lié? Vous êtes sur le match? Faut t'expliquer comment vous avez vu la qualification? Bon, pour le match, tous les matchs, pour moi, je joue avec à 4h du matin. Donc, moi, je mettais à l'homme pour me lever à 4h du matin. On tire un peu 5 minutes à l'avance pour moi, je suis connecté et pour me suivre le match parce que je ne suis pas de la game, mesdames. Moi, je suis rencontré avec eux et c'est pays lié. Moi, je suis match, je suis match, le deuxième match. Et quand je suis sauté, tous les matchs sont presque finis. Moi, là, je suis sifflé. Et bye. 13 minutes additionnelles, qui m'a sauté, on me dit ça, mais là, qui m'a parce que je ne peux pas aider sur le terrain. Ça m'a fait ses prières. Et puis, le deuxième goal de la finale, je me dit, ah, nous bon. Mais malgré ça, nous finissons pour le premier goal de la match à 2-1. Malgré ça, moi, j'étais venu commencer à inquiéter mon corps. Je m'a dit, qui m'a, et puis, les arbitres ont sifflé. Moi, vraiment, très content, mais sûr que mes amis sur le terrain, tu es plus gros contentement que moi-même. Mais ça te fait tellement plaisir et je me disais que là, au moins, le peuple a bon, la joie, bon contentement dans le pays, au moins, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes qui ont été gagnés, au moins, bon moment contentement et moi, j'étais vraiment content pour ça.
au présent dans groupe là pour rassemblement ça match amical et face à Nigeria et Moldavie qui rêve avec Haïti qui bon rêve moi avec Haïti c'est pour tout le monde connaît qui ça qui Haïti hein que c'est pas seulement un petit pays dans Caraïbes là pour tout le monde comprendre que dans matière football surtout football fille que Haïti c'est un gros pays oui son petit pays sous quatre là mais son gros pays en matière de football et que nous avons une volonté pour tout le monde les pour jouer avec nous pour toujours payer nous pour toujours préparer pour craindre sacré les Haïti là. Comment ça passe pour un club tu joues ou saute marqué là tout récemment? Ouais bon club tout bagaille bien grâce à Dieu comme nous tout te connaît m'était gon blessure au commencement saison en préparation et puis ça devine fait que m'était raté plusieurs entraînements dans commencement saison pré-saison et m'bout ko fin en forme mais kounya mon reprendre moi et m'a entraîné moi entraîner équipe là normalement et prochain ban quelques minutes quand même dans match et nous étant sur 4e journée et marqué premier goal moi m'était envie marquer plus toujours mais l'avenir à l'avenir m'a marqué toujours. Les études, vous finissez avec ça? Bon, pour les études, moi, pour un pause avec, moi, j'ai décidé pour me concentrer seulement à football là, pour moi, comment ça s'est seulement jouer football, penser football, entraîner seulement, préparer match seulement ça, sans que je bague l'autre bague dans la tête, moi. Et m'a fait expérience là, et à l'avenir, m'a gardé moi, qui j'aime continuer avec l'étude là, et toujours progresser dans le football là. Merci beaucoup Kiki et bonne chance avec la sélection et bonne chance dans le football en général. Merci. Mm-hmm.